asentaus miinus. La Suède, le rendez-vous des morts la fin. Salonen qui nous a fait un brin de conduite. Toivonen qui a maintenant un standing à maintenir. Mark Wallen qui pas plus que les autres n'aime la défaite. Et la Suède, c'est une affaire de Scandinave. Surtout de Stig Blomqvist dont le record de victoire ici, 7, sera difficilement égalable, même si la Ford RS200 effectue ses premiers tours de roue dans le championnat du monde. La même que Karl Grundel, dont l'un des signes particuliers est de ne pas faire le complexe des aînés. Ici, la Citroën est en appel, Vanberg et Andruet doivent enfin montrer du positif. La Suède, cela passe aussi par tout ce réservoir de jeunes pilotes au nom à consonance nordique. Le groupe A représente leur tremplin. Et par Per Eklund, le revenant sur Austin MG Metro. De la Saab victorieuse en 76, il n'y a qu'un pas, 10 ans, mais dans quelques minutes, le moteur lui sautera la figure. Épreuve 1, 2, 3, 4, 5, 6, meilleur temps Timo Salonen, le goût de la revanche. Épreuve 7, filtre à huile, ce que la mécanique n'apprécie guère en général, le pilote non plus d'ailleurs, quand cela vous oblige à passer une partie de la nuit dans une forêt suédoise. Quelle impression cela fait de se retrouver tout seul dans la nuit en pleine forêt? Ma première sensation est d'avoir eu très froid, mais bien évidemment c'est la tristesse. Nous avions très bien commencé ce rallye, nous étions en tête et nous avons dû renoncer pour un problème stupide, autant vous dire que nous ne sommes pas très contents. Quelle différence avec le rallye Monte Carlo? Je préfère le pilotage sur neige ou sur terre que sur le goudron. Peut-être étais-je un peu fatigué en plus au Monte Carlo. Ici en Suède, j'avais l'intention d'attaquer au maximum, c'est ce que j'ai fait. Et vous l'avez vu, ça marchait très bien jusqu'à notre arrêt. Alors, Salonen parti, que reste-t-il pour ramener enfin la victoire à Peugeot? Juha Kankkunen qui se retrouve face à toute la meute, et pas une meute de tendre. Ce n'est pas l'heure des cadeaux, d'autant plus que jusqu'à ce jour, Kankkunen n'avait encore jamais mis les roues en Suède. Deux victoires en Afrique pour le compte de Toyota, deux lignes à un palmarès, mais cette fois, la pression maximum sur les épaules. Le patron lui a demandé d'être à l'arrivée, il fera encore mieux. Il y avait Peugeot, il y a maintenant Lancia, mais il faudra également compter apparemment avec Ford. L'entrée en matière est réussie. Stig Blomqvist, avant son abandon, dû à une défaillance moteur, n'a jamais perdu le contact. Encore faudra-t-il faire subir à la RS200 une petite cure d'amaigrissement, mais le premier coup de crayon a bien été donné. Deuxième coup de théâtre par une température toujours aussi basse. Henri Toivonen en sera la victime. La détresse profonde du vainqueur du Monte Carlo. Il avait pris la tête après l'abandon de Salonen. Avec Blomqvist, ce sont les trois plus rapides en Suède qui repartent déjà à la maison.
Alors donc, il reste Kankkunen. Nous sommes dans la 12e épreuve spéciale. Le commandement lui revient et il a réalisé par la même occasion son premier temps scratch. À 26 ans, il est tard pour faire des complexes. À ses trousses, Mark Wallen qui se plaint d'un manque de puissance sur la Delta S4. Il est à 2 minutes de Kankkunen, mais ces 2 minutes, jamais il ne les comblera. En fait, Kankkunen calque sa course sur celle de ses suivants, Grundel par exemple, qui ramènera un podium à Ford. Pas vraiment de quoi se lamenter. L'éternelle bagarre du groupe A entre Michael Eriksson et Gunnar Pettersson, avantage au premier nommé pour quelques secondes. Retenez ces noms sans les confondre avec d'autres. Eriksson et Pettersson, ça court les rues là-bas. Ils devanceront en tout cas Jean-Claude Andruet, handicapé par des prises de notes insuffisantes. Ce qui peut se compenser dans un rythme plutôt lent est impossible dès lors que la moyenne en spécial approche ou dépasse les 100 km/h, ce qui est le cas en Suède, y compris durant la nuit. En tout cas, le rallye de Suède représente certainement l'épreuve du calendrier mondial où la part du pilote reste prépondérante. Si la panne mécanique reste toujours présente à l'esprit, l'état uniforme du terrain, l'adhérence perpétuellement prise en défaut est le meilleur moyen finalement de mettre à jour les qualités des uns et des autres dans un exercice bien souvent de funambule. Une dernière image de Karl Grundel, une troisième place qu'il n'escomptait pas au départ. Une dernière image aussi de Jean-Claude Andruet, une sixième place qu'il n'escomptait pas non plus, mais qui ne doit pas masquer la somme de progrès que l'a encore effectué la Citroën BX. Une fois de plus, Jean Todt ne s'était pas trompé. Le choix était bon quand il a fallu pallier l'indisponibilité de Vatanen. On sait qu'il aurait préféré Mark Wallen. Ce doit être cela, l'art et la manière de jeter les numéros 2 en pleine lumière.